Est-ce que nous content de ce que nous la caille Seigneur matin? On nous dit béni soit l'Éternel. 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 C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Faut préciser bien parce que il y a un peu de fautes et d'erreurs. Amen, amen. Thank you. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Mais bien aimé, matin, je suis content et je suis réjoui de ce que je suis la caille Seigneur là. Et c'est un privilège et c'est une grâce que bon Dieu fait à chacun de nous-mêmes qui est là matin. À chaque fois que nous faisons l'occasion pour nous faire ça, on nous fait le bien pendant le temps que nous sommes devant nous. Parce que très bientôt, le temps est pour le gâter. Si pas quoi ça, moi-même, moi quoi, je que nous réunis à l'aise là, il y a un temps, nous ne sommes pas capables de réunir comme ça encore. Parce que le monde a travaillé, Satan a travaillé pour empêcher nous de citer le nom de Jésus-Christ. Et nous dit désormais, dorénavant nous, engagez-nous jusqu'au bout pour nous lever Jésus, puis nous ne pas faire bac. Merci. Mais bien aimé, nous avons une époque où des mounio a fêté Noël. Noël, on peut la fêter Noël, seulement une croyance, une tradition. Mais vraiment, pour ça que vous dites à fêter là, vous pas quoi là dans le livre. Mais bien aimé, matin, ou à midi ça, et nous voulons partager ensemble avec vous. Parole que bon Dieu mettait sous notre bouche, nous nous lève-nous. Et pour nous parler matin, nous avons dans Esaïe chapitre 9. Esaïe chapitre 9, le verset 1er et jusqu'à 6. Esaïe chapitre 9, le verset 1er jusqu'à 6. Et m'appelez pour vous-même comme version par même genre, voilà. Le peuple qui vivait dans les ténèbres, verra briller une grande lumière, la lumière resplendira. Sur ceux qui habitaient le pays dominé par de pestes ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder la légresse, tu fais jaillir une grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage de butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le joug de son oppresseur, toi, tu l'as brisé, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure des guerriers qui m'attellent le sol, et tout manteau que l'on a roulé dans le sang, c'est au livré aux flammes pour être consumé. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, paix à jamais, et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Matin, à midi ça, nous avons un thème devant nous que l'Esprit de Dieu mettait dans l'œuvre-nous. Pendant que nous ouvrons la Bible pour nous dire qui c'est que nous allons partager. Mais l'Esprit de Jésus dit à peuple-là, il y a un temps pour votre humiliation prendra fin. Il y a un temps pour votre humiliation prendra fin.
Mais bien aimé, par une plus bonne place, par une plus bonne côté, que nous sommes capables de reposer nous dans Jésus-Christ. Seulement dans Jésus, lorsque vraiment nous posons nous bien, poser. Parce que Jésus, il a une autorité et tout pouvoir sur tout ce qui existe. Bon Dieu, l'Esprit de Dieu parlait avec le prophète Jérémie concernant la venue et la naissance de Jésus-Christ. Il y a Dieu qui va venir pour une forme humaine et pour sauver l'humanité. Et si nous faisons un coup de pied en arrière dans Genèse, lorsque Dieu place l'homme dans son jardin d'Éden pour dominer, nous avons Satan, le diable, qui connaît le plan de Dieu pour l'homme, lui passer par la petite porte, par la petite fenêtre, pour lui déranger le plan. Satan, qui part avant, Satan qui était Lucifer, avant celle-là, la tête est créée, lui était déjà dans celle-là, dans le bon Dieu, gloire. Mais le fait qu'il est venu réaliser, bon Dieu a un plan pour lui créer l'homme avec image et ressemblance lui. Bon Dieu a un plan pour faire l'homme chita à droite lui. Laissant Satan révolter, livrer, mouter toi ni plus haut que bon Dieu. Et nous, laissons ça, bon Dieu pas marcher avec orgueil, bon Dieu jeter en bas avec un tiers des anges qui t'a suivi lui. Depuis le sang, mes bien-aimés, Satan levait la guerre contre l'homme. Et Satan n'est pas un minou, il n'est pas jambe, sans minou. Amen. 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 Satan levait la guerre contre l'homme. Il est jaloux pour place que bon Dieu réservé pour l'homme. Eh bien, mes bien-aimés, lorsque bon Dieu plaçait Adam et Ève dans le jardin, Satan, qui connaît le plan, il venait vraiment, en tant que serpent rusé, il approchait femme-là, et femme-là tombée. Ève tombée. Au lieu d'Ève obéir le Créateur, il désobéit le Créateur, il obéit la créature de Dieu. Mais bien aimé, il y a plus de foi. Bon Dieu, il y a un plan pour nous-mêmes. Bon Dieu, réalise-nous pour une vie bien spéciale, pour une mission spéciale. Et Satan, lui, vraiment, apparaît nous pour lui détruire le plan ça, pour que le plan va exécuter. Satan, gâché, plan. Ève tombée. Depuis lors, le péché est entré dans le monde. Et la Bible dit par le péché, la mort. Mais bien-aimés, puisque l'homme a été créé avec l'image de Dieu et sa ressemblance, bon Dieu n'a pas arrêté là. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu a fait une promesse à l'homme pour la restauration de l'homme. Il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Le poder vigile. Et dans Jean chapitre 3, le verset 16, la plus grande promesse qui a été faite, Dieu a tant aimé le monde. Là, par une question que Satan connaît que lorsque le film fait un péché, à deux péchés, il peut dominer sur l'homme, il a fait ça qu'il voulait. Mm-hmm. Mais bon Dieu, fait un plan pour le restaurer. Alléluia. L'homme. Amen. Mais bien-aimés, nous pas n'importe qui. Amen. Nous sommes l'enfant de Dieu. Nous sommes citoyens célestes, mes bien-aimés. Amen. Nous sommes ambassadeurs. Amen.
nous représenter un roi. Un roi qui pas n'importe qui roi. Et y'a un roi qui domine sur tout petit roi qui est sous la terre. Amen. Bon Dieu fait plein de restauration pour restaurer l'homme. Ça veut dire dans Esaïe, chapitre 9, mon père Ephraim, qui était en grande détresse, en grande misère, il t'a drivé dans la boue. Peuple-là t'a drivé dans la boue. Et t'as un grand fenoua qui couvrit peuple-là dans la misère. Maturiser peuple-là chaque jour. Mais la Bible dit, pendant qu'il y a une misère, il y a une grande lumière. Il y a une grande lumière qui a brillé. Qui lumière ça, mes bien-aimés, qui a brillé? Le désespoir, mes bien-aimés. Le désespoir, mes bien-aimés, qui a espoir. Amen. Un temps pour humiliation, un temps de gloire. Peuple ça qui t'a drivé dans la boue, peuple ça qui t'a drivé dans la misère, peuple ça qui t'est resté dans le feu noir, Satan t'a maturisé, peuple ça qui t'est péché de faire la guerre, qui n'est pas capable d'adorer mon Dieu, lumière apparaît pour eux-mêmes. C'est que vous ne pouvez pas dire lumière a fini. Mais bien aimé, la lumière apparaît, le feu noir va arrêter. Fais-nous obligé. Oui, obligé. Lumière apparaît pour éclairer le peuple qui t'a souffri, pour délivrer le peuple qui t'a souffri en bas de Satan le diable. Et ça fait, dans Jean chapitre 10, le verset 10 dit, le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire. Ça, c'est mission Satan sous la terre. Yes. Pour qui ça? Parce que la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 1, avant la fondation du monde, Dieu nous a élus en Jésus-Christ. Parce que Satan est comme un plan. Il travaille pour détruire le plan, mais bon Dieu va quitter le plan détruit. Il nous a élus en Jésus-Christ. Nous sommes des élus. Eh bien, lorsque vraiment le a dérivé, Satan a travaillé pour empêcher le plan accompli. Bon Dieu lui-même, il commence à préparer le territoire. Il commence à préparer le monde. Livrer les prophètes, à prophétiser la naissance de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Et puis nous, il prend le prophète, il tue. Satan continue à travailler pour des suppléants. En plus, géant des sangs, venu en sainte pédamie sur la terre, venu poser des grands géants, des hommes abominables, qui ont fait des choses mauvaises devant Dieu. Et Dieu dit non, plan pas détruit. Il détruit l'homme avec des riches. Il conserve la famille de Noé. Parce que, non, une prospérité, pas oublier dans Genèse chapitre 3, sa postérité de la femme, la postérité de la femme, de pour venir pour craser tête serpent. Et Satan a marré tout petit coin, tout petit la jouer pour déjouer plein. Mais bon Dieu, conserve la famille de Noé. Satan continue à travailler toujours, il paraît de là, mes bien-aimés, parce que nous qui avons amis, ça, il est toujours à côté de nous. Et Pierre dit, c'est un lion rugissant. Et ça fait, le nom de mon Dieu nous pas à jouer. Alléluia. Et puis, lorsque vraiment les avoirs arrivés pour Jésus venir, même Jésus a dit là, un enfant nous est né.
un fils nous est donné. Côté, nous voyons la Bible fait allusion là, avec peuple Matzé qui a maturisé les enfants d'Israël. À cette époque, nous avons vu ça dans Josué. Nous avons vu ça dans Juge, s'il vous plaît. Côté, lorsque vraiment Israël est tombé dans la idolâtrie, bon Dieu de la guerre, un ennemi farouche qui s'est Madian. Chaque fois, le peuple a planté raisin, il a planté blé, l'air qu'on a pas le bon, ennemi a fini, il a récolté pour eux. Un temps d'humiliation pour les enfants d'Israël. Mais le temps de gloire arrivé, pour Dieu dit avec Gédéon, va avec ta force que tu as. Gédéon a passé côté, Seigneur, moi, je suis petit dans la famille, maman. Femme, famille, c'est le monde qui est plus malheureux, c'est eux qui sont plus pauvres. Je dis, non, je ne sais pas, va avec ta force que tu as. Mais bien aimé, il y a quelques points qui sont là, ou qui ont option, non. Si vous qui ça que bon Dieu placé en nous là, on t'a fait chèque avec lui. C'est fonction, ça n'est pas là pour le pot de pour là, il est là pour une mission bien spécifique. Amen. Et vrai par vrai, lorsqu'elle est arrivée, fonction qui est pour lui sortir dehors. Amen. Elle me songeait que la moins l'église Haïti, sous les rochers d'El Magredéen, moi en bas, un pasteur, et nous là, en tant que ouvrier à travailler avec lui, nous tout partout dans la ville provinciale, dans toute prison dans le pays d'Haïti, à évangéliser les prisonniers, les bandits. On a fait face avec un pile d'autres bagailles, mais nous pas vrai, on a prêché l'évangile. Amen. En plus, nous restaurer, lorsqu'ils sont sortis dans la prison, ils ont fini, ils ont baptisé et ils ont suivi Jésus-Christ. Ça, c'est la mission que nous avons fait en Haïti, aller tout partout dans la ville provinciale, évangéliser et prêcher l'évangile. Mais, Dieu t'a dit arriver dans l'église là, il n'y a pas de génie position, place comme ça, et tout le temps passé à Gino, s'il vous plaît, allez pour place devant. Au moins, il y a un ouais, bon micro à l'église là. Nous disons oui, nous allons aller. Mais après, nous trois nous disons non, monsieur, nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons une action, non, nous. Nous ne pouvons pas faire moule ouais, nous. Lorsqu'elle est arrivée pour une action en sortie, la sortie, qui est-ce qui a bloqué de l'eau? Ou pas bloquer l'onction? Non. David dit l'onction, non? L'onction roi pour dominer sur les enfants d'Israël. Yes. En tant que berger, papa lui voyait le rage à garder les moutons. Et frère lui, même il a pu la formation académique militaire. Mais David n'a rage à, mais pas que personne qui voit David, parce que Dieu a un plan pour David. Amen. Yes, yes. Amen. Mais là, elle est arrivée pour David te venir entrer dans la réalité, mais bien aimé. Est-ce que c'est frère David qui est présenté? Non. Non. L'homme regarde ce qui frappe à les yeux. Amen. Mais l'éternel regarde. Amen. Ou qu'a fait pour belle? Ou qu'a belle pour belle devant l'homme? Mais pour mon Dieu, ou pas vous? Amen. 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 Jean-Paul te dit avec les pharisiens, nous c'est cadavres. Gardez. Désossement. L'évangile qui nous vient de nous, mais bien aimé, nous devons camper pour nos propositions pour le défendre. Lui. Amen. C'est sur l'évangile qui se y est, qui est au-dessus de tout ça qui existait dans le monde là. Et pas de personne qui a fait ce qu'il y a avec l'évangile qui nous vient de nous, mais bien aimé. Nous avons l'évangile, l'aller pénétrer le cœur, lui changer le cœur. Amen. Et puis, je dis, ouais, comment bon Dieu t'a délivré les enfants d'Israël, maman Zanitio? C'est lorsque je n'ai réuni 32 000 hommes, soldats pour la bataille. Je dis, non, je pas juste pour ça, c'est pas pour ça que tu vas le faire. Si vous allez, il va dire, c'est au même qu'il bataille là. Il y a pour gloire pour eux. Bref, je dis, pour ça qui vit, yo. De lever yo pour faire connaître que sagesse l'homme non n'est pas un. Et puis lorsque Jean-Baptiste vient pour là pour préparer territoire,
Yo commencé à persécuter Jean-Baptiste. Pharisiens, scribes, directeurs de la loi, les souverains sacrificateurs, les co-costumes, les qui remettent l'argent plus que Dieu, ils commencent à avoir des problèmes. Parce que dans l'évangile, je vais prêcher, mais bien aimé, il y a plus de la Bible, plus de la colle qui va d'accord avec l'évangile là. Amen. Ils sont sortis comme lion rugissant pour déchirer. Amen. L'évangile païen, sur l'évangile terrestre. Amen. Mais nous avons pris l'évangile terrestre là, l'évangile de restauration, hein, l'évangile qui transforme l'âme là, oh, yes. Va d'accord avec lui, mais bien aimé. Amen. Amen. Alléluia. Mais bien ma vle, bon Dieu qui m'y parle pour prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quel que soit le prix à payer. Amen. Satan passe un minot. Un temps de gloire. Un temps d'humiliation, un temps de gloire. Un temps pour humiliation pour fin. Un temps pour maladie on fini. Un temps pour péché fini. Un temps pour la mort suspendue sur l'homme. Yes. Un temps pour l'homme suspendue critique. Un temps, moi je ne critique pas la capable au mal là. C'est lui-même qui prend le pot de mal à tous mes bien-aimés. Alléluia. Gauche qui dit, bon Dieu, fidèle, ou pas jamais, pas là, non, n'importe ça mieux, ma paix fort confiance, parce que me connaît pas j'y. Bon Dieu, pas j'aime pas la main, mes bien-aimés. Des fois, il fait silence. Mais silence n'est pas, je dis abandon. Et les bons travaillent, les bien travaillent. Yes. Et puis, pour nous, nous sommes arrivés devant nous. Et Jésus est venu. Satan fait plan pour Jésus tomber dans l'apostasie. Dans Matthieu chapitre 4, nous voyons comment Satan vient avec un serpent rusé. Il pense que c'est Ève que je viens de regarder ça. Amen. Et il paraît sous Jésus pour dire sous ce petit Christ-là, fais-moi ça tourner pain. Il vient de piller et connaître Ève. Des fois, il est sous Jean, il guérit Jean, là, il est sous Jacques, il pense que c'est Jacques, c'est Jean, ou qu'on est Georges, donc là, ici, il y a. C'est deux mondes qui ont auction, non? Lorsque mon esprit apparaît, il doit aller. C'est auctionnier, non? C'est pas vous-même, non? Auctionnier, non, là? Amen, amen. Il n'y a pas qu'à camper. Amen. La Bible dit, il nous a serré de son sort. Il y a un sens ou non? C'est là, nous passons de côté. C'est pas. Nous ne pouvons pas dire nous sommes chrétiens. Nous sommes servants de Dieu. Je suis serviteur. Non. Il y a quoi image Christ là? À travers ça qu'on va faire, à travers comportement, action, parole. Mais certainement. Ou si on est femme de Dieu, ou si on est homme de Dieu. Et là où ils sont hommes de Dieu, ce n'est pas les gens qui peuvent dire la règle. Ce sont les gens qui partent contre Dieu du tout. Et puis, Jésus vient, il commence à lumière entrer, il commence à déclarer, à dénoncer ce ténèbre, à dénoncer la magouille. L'évangile a dénoncé, vous n'avez pas d'accord avec vous. Et l'évangile a dénoncé. Renoncer, prononcer, yes. Annoncer. Yes. Mais quand côté l'homme qui est arrivé, l'homme dénoncé, il y a des problèmes. Yes. Mais vle ma vle, bon Dieu yes. Vous parle yes. Pour dénoncer. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Évangile. Yes. Moi même ça va même manier. Parce que vient comme ça. Vle pas vle, les deux allons poussière. Amen. Mais non moins, slow. Pas pour l'homme. Alléluia. L'homme pas capable de salver. Amen.
Parce que Jésus est venu adopter nos moi. Que l'air m'a venu petit. Amen. Et très bientôt, qu'on va l'adopter. D'après Romains chapitre 8, la restauration du corps de l'homme n'est pas encore faite. Amen. Tout problème qui gagne, c'est l'archet qui a bâillé le problème. Ça y est. Mm-hmm. Parce que quand on va restaurer, quand on va racheter. Mais qui ont joué qu'à privé, mais bien aimé, Paul disait à l'église des Romains, tout le bagage ça y est pour point fin. Parce que Jésus pour l'adopter, quand on mais bien aimé. Nous ne pouvons pas encore mortel encore. Oh. Mais nous avons encore immortel, nous avons encore glorieux. Incorruptible, que péché, la mort, maladie, yes. Pas capable de régner yes. Sur lui-même encore. Yes. Et elle va entrer dans la cité pour me rencontrer à Lyon. Elle va entrer dans la gloire Alléluia. Avec deux mains en l'air. Et m'a gardé état, péché t'es fait mieux. État, Satan t'es fait mieux. Mbali Satan Koulia, sou capable. Parce que règne ou fin, fin. Règne d'humiliation, fin. Règne déception, fin. Règne maladie, fin. Règne cancer, fin. Koulia, c'est temps pour moi. Voilà Dieu. Alléluia. Et puis, Satan dit. Non, ça a venu là-bas, problème. Sinon, tout y est. On va dominer sur les goulières. Mm-hmm. Parce que clé là, moi, non même. On sait ça. Je vais bien pouvoir sur lui. Parce que même tant elle, là, dans le désert, il ne parle pas voir. Nous, Hérode, là, Jésus a grandi comme bébé. Il fait tout moyen pour détruire bébé. Mm-hmm. Mais il n'est pas capable. Parce que bébé a là pour une mission. De quel côté l'homme fait toute stratégie pour détruire la vie, mais n'est pas capable parce que on a une mission sur terre. Amen, amen, gloire à Jésus. Lorsqu'il y a une mission, bon Dieu, même bon Dieu, même on en plein, quel que soit mauvais esprit, démon, diable en fait tomber, il n'est pas capable d'atteindre nous. Parce que on a une mission. Jésus a une mission bien spécifique. Hérode mourit, l'autre remplacé, pire dans le corps Jésus. Joseph oblige à Marie à aller en Égypte, courir. De nous courir, mes bien-aimés, c'est pas peine au peur. Mais nous allons renforcer. C'est quelques endroits que nous quittons, mes bien-aimés, c'est pas peine au peur. Mais là, nous tournons avec une option. Qui double. Yes. Mais les options doublées, là, nous paraît être mis en coup. Oui. Et puis Jésus paraît qu'il tourne sur le territoire. N'est-ce pas le royaume, n'est-ce pas le costume, pas quoi avec les enseignements. Là, il a dénoncé dans le temple. Il a dit c'est moi-même, c'est Jéhovah, moi-même, c'est Adventiste. Monsieur Saba, n'est-ce pas d'accord? Jésus a fait guérison, Monsieur Saba. Jésus a délivré Monsieur Saba, n'est-ce pas là, il a condamné Monsieur Jésus a dénoncé, n'est-ce pas? Il a fait plan pour détruire, éliminer Jésus. Et puis Satan dit: bon, si tu viens, je vais parler avec lui. Et puis, là, Jésus mourut. La Bible dit: Jésus descend dans la région inférieure de la terre. Parce que les gars ont mission pour lui. C'est clair qu'il nomme Satan, qui permet qu'il la domine sur nous-mêmes, là, la maturise nous, pour les attendre humiliation, hein, lui, il finit. Jésus est obligé de descendre dans la région inférieure de la terre pour la correspondre avec Satan, le diable. Et les temps vont arriver, mes bien-aimés. Apocalypse dit lui, non, Apocalypse chapitre 1, verset 18, le vivant, je suis Alpha. Et le commencement, et j'étais mort, et maintenant je suis vivant. Qui peut conjuguer le verbe mourir au passé? Alléluia. Qui? C'est Jésus. Est-ce qu'on connaît un homme qui a conjugué le verbe ça? Non, personne.
Ne qui dit goto yo, kote yo. Yo mouri la teke, kembe yo. Mais la terre va pas qu'elle est Jésus. Parce que Jésus est le créateur. Amen. Qui compte créature qui a pour pouvoir pour qu'elle est créateur? Le point, le grand pharaon mourit, la terre est belle. Le grand Nebuchadnezzar mourit, le grand Napoléon Bonaparte mourit. Les grands philosophes des savants ont mouru. Mais Jésus parle avec lui. Satan dit moi, correspond avec lui dans le séjour des morts. Et puis Jésus dit, je suis Alpha. Moi c'est A à Z. Amen, amen. Et il dit Satan, je vais me prendre ça pas pour vous. Il dit, je sais les clés de là. Et du séjour de désarmé Satan. Alléluia! Et dans Matthieu chapitre 16, mes bien-aimés, bon Dieu est déjà par nous, clé au royaume. Yes. C'est pour lire, domination qui nous permettait dans le premier Adam, mais dans le second Adam, nous avons retrouvé cette domination-là, mes bien-aimés. Pour lire, nous avons pour nous dominer. Adam a un pouvoir pour dominer sur les reptiles, les poissons, les quadrupèdes. Les oiseaux sous tous les animaux de la terre. Mais quand il y a Jésus venu dans Luc chapitre 19, Luc 10, 19, il dit, je vous donne le pouvoir sur les serpents et scorpions, et sur toute la puissance, et il y a le pouvoir. Alléluia. Non seulement poisson nous a dominé sur yo, nous a dominé sur le lion, sur le tigre, mais quand vous avez les serpents, c'est pas ancien, dragon, ça va les Satan qui a matérialisé l'homme là, nous qui pouvons vous le dominer sur. Parce que tête l'icra. Alléluia. Même là où elle a battu, même pas la tête. Amen. Crasé. Alléluia. La crasé. Mais bien aimé, si nous connaissons une position dans Christ, nous ne pouvons pas marcher tête baissée devant être mieux. Un temps d'humiliation et un temps de gloire. Quand l'homme, bon Dieu, vini, Jésus vini pour restaurer l'homme. Jésus vini pour restaurer communion avec bon Dieu. Quand nous venons communion avec bon Dieu. Pont qui était brisé, hein? Jésus vini construire pour ça. Mm-hmm. Cool.